Je m'appelle Rolf Granwehr, j'ai 46 ans et je travaille dans l'entreprise forestière Fishing & Tobel au poste de contremaître forestier. Mon travail implique de planifier le travail et d'en parler avec l'apprenti. Ensuite, nous nous rendons chez un propriétaire forestier privé où nous travaillons au sein de l'entreprise. Le soir, on s'occupe de la facturation. Alors, je m'appelle Lucien Colli. Je travaille au triage écoforêt à Nanda, en Valais, et j'ai fait la formation de contremaître forestier. Mon rôle en tant que contremaître, c'est principalement l'organisation de chantier, surveiller à ce que tout se passe bien, tout soit bien coordonné. Aussi la gestion d'équipe, et c'est ce qui m'intéresse dans cette fonction de contremaître. J'organise autant bien des chantiers d'exploitation forestière que des chantiers d'abattage spéciaux, aussi des chantiers de génie forestier. Cette diversité, c'est ça qui est motivant en fait, qui te donne envie d'aller plus loin, de te perfectionner. Et puis je pense que je vais continuer sur cette lancée encore un bon moment. J'ai aussi un rôle de conseiller. Je soutiens des particuliers avec mes connaissances. J'ai commencé le cursus de contremaître en 2010 et j'ai passé mon examen en 2012. J'ai suivi différents modules pendant ces deux années, des modules de bûcheronnage à la formation pratique, en passant par le cours de maître d'apprentissage. Le développement personnel est aussi inclus et je peux tout associer à la fois sur le plan professionnel et privé. C'était intéressant parce qu'on avait aussi avec nous les futurs gardes forestiers et cet échange était très enrichissant. On a aussi eu l'occasion dans ces modules de base d'aller dans plusieurs régions de Suisse romande, voir des forêts que finalement on ne connaissait pas. Si maintenant on me donnait la possibilité de tout recommencer depuis le début, je prendrais exactement le même chemin. Parce que pour moi, la forêt, contremaître forestier, c'est au final, c'est plus qu'un métier, c'est ma façon de vivre, c'est ma passion.